Sans cet ingrédient, le coca serait imbuvable. C'est vrai, t'imagines, il y a quand même 35 grammes de sucre pour une canette de coca. Regarde ce que ça fait, 35 grammes de sucre dans un verre d'eau, qui est à peu près l'équivalent, c'est énorme, qui est à peu près l'équivalent d'une canette de coca. Donc ce qui se passe, c'est quand on boit cette eau sucrée, bon là le sucre est descendu tout au fond, voilà, fait couler partout, c'est génial. Ah, c'est écœurant, beaucoup trop de sucre. Donc si on prend un verre d'eau et qu'on met 35 grammes de sucre dedans, on est très vite écœuré. Mais il y a une solution pour être beaucoup moins écœuré. On prend un citron et quelques gouttes de citron à peine suffisent à rendre bien plus agréable. Alors on pourrait se demander comment certaines personnes font pour boire autant de litres de coca par jour.